était donc l'assistant de la technique qui devait reprendre ce que j'ai apporté et le remettre au technicien. Oui, je me souviens toujours de cette chemise blanche qu'il portait. Le toucher de cette chemise et l'idée de cette chemise mélangée avec les morceaux que j'ai entendus de l'orchestre. Eh bien, un jour, on allait voir un film ensemble. Il y avait dans cette ville de Francfort, à ce moment, un cinéma qui jouait des films anciens. Et le film qu'on allait voir, c'était La dernière année à Marienbad. Et dans ce film, se joue un morceau d'un concert de piano de Brahms, qui est très célèbre. Et ce morceau, je l'ai dans l'oreille parce que, évidemment, je me suis approchée un peu plus de cette chemise blanche. Dans ma mémoire. Je comprenais quand même l'anglais qui était écrit, mais vraiment, lui parlait anglais plus couramment que moi. Et comme je lui ai dit que j'aimais beaucoup, il a cherché, il a traduit les paroles et me l'a écrit en anglais. Après, je le chantais en anglais. J'ai compris à ce moment-là, d'après les paroles, toute l'attirance physique qu'il avait pour moi. C'était un air magnifique qui, pour moi, est resté dans ma mémoire, extrêmement dans mon cœur. C'était la chanson, dans les années 50, chantée par Nat King Cole, dont je me souviens. And underneath the sky.
as if from a distance, and I